Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jesus. Nous commençons verset 8. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Traduit dans la langue nangati. Ok. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Boe lilobana Yahweh et pesamela kinga boe. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Boe lilobana Yahweh et yelakie boe. Lève-toi. Téléma. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. Kende na bonde lio olukelanga mwa mai muke na vase. Afin que je boive. Pwete na mela. Et elle alla en chercher. Pe akei koluka yango. Et l'appela de nouveau. Abengi elisusu. Et dit. Pe alobi. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Memelanga na bonde lio mwa ndambo ya lipa na loboko na yo. Et elle répondit. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le banan vaincu. Dit vaincu. Vaincu à cet esprit de mort. Vaincu. Vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Vaincu. Élie lui dit, Élie a ébissi, ne crains point. Kobangate, rentre. Songa, fais comme tu as dit. Salandengolubi, seulement, kaka, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Salelangai moi gâteau moka muke, et tu me la portera et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car poète, quelqu'un peut dire car. Oh my God, là c'est qu'on en déplace et bombe secret. C'est là où se cache le secret. La révélation se cache là. Le réma se miracle cache là. Ton miracle se cache là. Ta délivrance se cache là. Dans ce mot-là qu'on dit car. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. Poète boyelobi Yahweh. Le Dieu d'Israël. Zambe ya Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Farine o ezana po eko zangate. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera
Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec vous. Mais attention, cette histoire peut se transformer en une grâce exceptionnelle. Élie et cette femme était juste en train de s'entretenir. Mais après cet entretien-là, la grâce de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Je prononce une parole de ma bouche. Avant d'entrer dans le vif de mon message, je vais prononcer une parole de ma bouche. S'il y a une femme dans cet endroit, Azanazemi et que Zemonezo menacé pour Nagokita, j'annule ça. S'il y a une femme parmi nous qui est enceinte et cette grossesse-là est en train d'être menacée, j'annule cela. J'annule ça. Au nom de Jésus. J'annule ça. Au nom de Jésus. J'annule ça. Au nom de Jésus. Et j'annule ça. Au nom de Jésus. Encore, s'il y a encore une autre femme dans cette salle qui a des problèmes de foi, ce qui a tombé kakazinazemi, il fasse la fausse couche. Et une femme qui est dans cette salle, dès qu'elle tombe enceinte, elle doit avoir des fausses couches. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Selon la parole. Alléluia. Qui était sortie de la bouche. Alléluia. De l'homme de Dieu. Alléluia. Alors on a prononcé un mot. Alors je prononce. C'est fini. Et s'il tu ne perdras plus. Au nom de Jésus. C'est fini. Au nom de Jésus. C'est fini. Au nom de c'est Jésus. Fini. Au nom de Jésus. C'est fini. Au nom de Jésus. C'est fini. Au nom de Jésus. Et cette fois-ci. Alléluia. Tu verras les miracles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Jésus est bon pour nous. Amen. Amen. Cette histoire que nous venons de lire, c'est comme l'adresse que le GPS nous montre et nous conduit vers notre destination. Aujourd'hui, nous arriverons là. Amen. GPS azo l'activité bo kenina gauche bo baluka bo côté na droite bo bimana deuxième sortie à rond-point. Le GPS nous oriente, va aller tout droit et puis au rond-point prenez la deuxième sortie à droite et vous allez y arriver. Amen. Amen. Donc moto tozotanga Eli. Donc cet homme dont nous venons de lire, c'est Élie. Azaki prophète. Il était un prophète. Cela veut dire message c'est un message prophétique. Cela veut dire que cette histoire que nous venons de lire est prophétique. Parce que Motongo Azalaki prophète. Parce que cet homme-là fut un prophète. Alors message naïe est prophétique. Alors son message devient donc prophétique. Et qu'on bénit Mutumoko. Et cela bénira et quelqu'un. Cette personne, je suis vraiment convaincu que Isaïe. Et cette personne-là, je suis vraiment convaincu que c'est toi. Isaïe. Que c'est Isaïe, toi. Que c'est Isaïe. Toi. Que c'est toi. À moins que tu doutes. À moins que tu doutes. Que tu doutes. Tu te dises, il raconte alors, toujours ça. Douter, mais si tu doutes, que l'ange qui est avec moi, l'ange qui est avec moi, qu'il prenne et qu'il donne même à celui ou celle qui a besoin, même en double. Parce que la parole qui sort de ma bouche ne peut pas aller à côté. Amen. 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 Jésus-Christ, c'est notre Seigneur à l'obi. Jésus-Christ, notre Seigneur a dit, Abi, ma parole ne tombera ni à gauche, Amen. Ni à droite. Amen. Amen. L'icolo n'a sait que le cas.
les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a fait déplacer afin que j'apporte cette parole. Parole. Je ne suis qu'un simple porte-parole pour ta bénédiction. Il y aura un grand changement aujourd'hui au nom de Jésus. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Moto Élie, le prophète Élie. Alors cet homme, le prophète Élie. La Bible nous dit. Au moment où il a vu que Israël n'était pas droit devant Dieu. Alors il était irrité. Parce qu'Israël s'était corrompu. Par les faux prophètes. 850 faux prophètes. 850 faux prophètes. Israël, qui était en Israël, Israël et qui séduisait Israël par des signes et des miracles de magie. Et ils ont même siégé jusque dans le palais royal. Ils mangeaient avec le roi Akab. Ils n'étaient pas le peuple israélite. Ils ont suivi Jézabel, le roi Abalaki, la femme que le roi Akab avait épousée. Et eux, ils adoraient les idoles, les statues. Ils aimaient trop la magie. Alors, peuple Israël, péché. Alors Israël était entré dans le péché. Et ils étaient dans une grande distraction. Ils ne savaient plus qui était l'Éternel. Parce qu'on les avait vraiment trompés, séduits. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, nous refusons cela. Dans le nom de Jésus. Au nom de mon Jésus. Ce vent-là ne te trompera pas. Jamais. Jamais. Car l'Esprit de vérité est avec nous. Amen. 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 Alors, Bible à Zoloba. Alors la Bible Elie dit et comment qu'il n'a pas le mot parce que comment qu'il n'a quand même mis à y'a pas qu'il n'a pas ça la tête. Et un jour Elie, il était tellement irrité, il ne savait plus quoi faire. Prophète et Anza Mbebele. On a tué plusieurs des vrais prophètes de Dieu. À cette époque-là, bah prophète ne soit zaki on a zaki le corps bah fils de prophète y'a Elie. À cette époque-là, tous ces prophètes-là étaient les fils de prophètes de Elie. Bah zaki banao prophète a zaki formé. Et c'était des fils que le prophète formait. Akab par influence à moi c'est Jézabel abandonné quand. Et alors Akab, sous l'influence de sa femme Jézabel, a commencé à les arrêter et les tuer. C'est comme aujourd'hui. Et c'est comme aujourd'hui. Ceux qui sont dans la vérité. Plusieurs sont tués. Eux qui ont la vérité, plusieurs sont tués. On tue plusieurs prophètes. Parfois c'est pas la mort physique, mais tuer son ministère. On peut tuer son ministère. Et il ne sait plus avancer et puis il s'arrête. Mais là. L'esprit de l'Éternel. Mais l'esprit de l'Éternel. Qui était sur Élie. Et sur moi. Et sur moi. Et sur toi. Alléluia. Donc on venge les Cambodges. Nous allons venger cela. Alors un jour Élie a tenu. Alors un jour Élie s'est levé. Alobi. Il dit. Comme Israël les autres comprendraient. Comme Israël ne comprend toujours pas. Selon ma parole. Selon ma parole. Il n'a même pas dit que selon la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit selon la parole de l'Éternel. Il dit selon ma parole. Il dit selon ma parole. Il n'y aura plus la pluie. Il n'y aura plus de pluie. Et la pluie s'est arrêtée. Pendant que la pluie s'est arrêtée, le temps difficile continue à mourir. Alors les temps difficiles sont arrivés dans la nation. Je prophétise. My God. Mon Dieu. L'Éternel est vivant. Alléluia. Temps difficile et continue en boca. Les temps difficiles sont arrivés dans le pays. Élie a kendaki akimelaki na bazamba moko boye akiko vanda wana. Élie était allé se réfugier quelque part. Il y avait de l'eau qui était là. Et ba korbo bazwe akopesa ekolia. Et les corbeaux venaient pour le nourrir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais le la pluie est mais comme il n'y avait plus de pluie, même mayuana kaoki. Même l'eau du torrent était finie. Le corbeau dont le corbeau pouvait amener à manger, mais il n'avait plus d'eau.
Or, c'est un être humain, il devait boire de l'eau. Et Dieu vient vers Élie. Dieu viendra vers une personne ici. Parce que Élie a la même nature que nous. Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est Jacques qui nous le dit. Élie était un homme de la même nature que moi et toi. Oui. Amen. Amen. Dieu est venu vers Élie. Mais comment ce Dieu-là ne peut-il pas venir vers toi? Élie traversait un moment difficile, un moment critique. Et Dieu est venu pendant ce moment critique. Il est venu vers Élie. Et alors toi, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans ces moments critiques, Dieu ne viendra-t-il pas? Alléluia. Je l'appelle. Alléluia. Par son amour. Alléluia. De s'adresser à ta direction. Alléluia. Il vient te rencontrer. Là où tu es. Dans ces moments critiques. Là où ta famille est. Que Dieu vienne là. La situation, dans cette situation-là, que tu ne sais même pas expliquer. L'éternel à ton Dieu des armées. Alléluia. L'éternel Dieu des armées laissera son trône pour toi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Trône à se diriger dans la direction. Il laissera son trône pour se diriger situation vers toi. Pour ta situation. Tu peux dire même moi, quelqu'un de. Tu es mutu pamba na misu na yo pe na misu abatu pa na misu na ye kuna po za tata na. Tu es quelqu'un d'inutile à tes yeux et aux yeux des autres, mais pas à ses yeux parce qu'il est ton père. Alléluia. 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 Je dis, Dieu va se déplacer, venir jusqu'à toi. Dieu viendra t'apporter la solution. Oh my God. Alléluia. Je pense que, you know, you came here. Je pense que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Yes, Daddy, I yoke you, I land you. Amen. 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 Dieu peut se déplacer et venir à ta direction. Alléluia. Amen. Pour ton problème. Amen. Dans les moments critiques que tu traverses. Dans les moments critiques que tu traverses. Je dis. Dieu se déplacera. Alléluia. Alléluia. Il viendra te donner la réponse de ton problème. Alléluia. Alléluia. Akoya. Il viendra. Fondimanga akoya. Tu dois me croire. Cela est possible. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être impossible pour Anthony Ayananda Kunayo. Ça peut être impossible pour Tony de venir dans ta maison. Ou pour JP Ayananda Kunayo. Ou pour JP de venir dans ta maison. Non, le Saint-Esprit est pas une chose possible à Koya Panayo. Mais pour le Saint-Esprit, c'est possible qu'il vienne jusque chez toi. À Koya. Il viendra. Nanda Kunayo. Dans ta maison. Dans ta chambre Nayo. Dans ta chambre. Na cuisine Nayo. Dans ta cuisine. Dans le salon Nayo. Jusque dans ton salon. Nayo. Jusque dans ta véranda. À Koya. Alléluia. 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 Akoya. Il viendra. Akoya. Il viendra. Dis cela, il viendra. Dis cela en français, il viendra. Encore. Il viendra. C'est obligé. Il viendra. Amen. Amen. Jésus, le Dieu des Jésus, miracles. Le Dieu des miracles. Amen. Amen. Bible La Bible dit. Dieu est venu. Et à Élie. Auprès d'Élie. Dans moment où Élie a traversé des moments difficiles. Pendant que Élie traversait des moments difficiles. Lui seul. Pour manger, il fallait que le corbeau vienne pour lui donner un morceau de pain et manger. Et Dieu est venu vers Élie la nuit là. Et cette nuit-là, Dieu est venu vers Élie. Il lui dit. Élie. Élie. Télémaque.
Lève-toi. Va dans une ville appelée Sarepta. Et c'est une ville de Sidon. Et là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas. Écoute bien. Lui, il dit, j'ai ordonné à une femme, une veuve, à nourrir de te nourrir. Jésus. Si Dieu ne connaît pas l'adresse de Bill Gates, mais il connaît ton adresse. Nous pensons seulement que nous pensons que Dieu ne connaît que les adresses des gens élevés, mais Dieu connaît ton adresse. Il a ordonné à une veuve. Il dit, j'ai ordonné à une veuve à nourrir, de te nourrir. Lève-toi, va là-bas. Lève-toi et va là-bas. Élie a pris son manteau. Élie prend son manteau. Akangi ceinture naé. Il attache sa ceinture. Sandale naé. Il prend ses sandales. Achena makolo. Il met à ses pieds. Abanjo kende. Et il commence à partir. Thank you Lord. Merci Seigneur. Voiture les inquiétait. Pas de voiture à l'époque. Alléluia. Alléluia. Oyo bango ba tala. Regarde. Bible a zolo ba. La Bible dit. Avant, il y avait personne qui était plus grand que Salomon. Même après. Mais quand Jésus est venu, il a dit, c'est vrai, avant et après, il n'y a point eu d'homme, mais moi je suis là. Jésus a annulé l'époque de Salomon. Il a annulé l'époque de Salomon. Alléluia. 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 Est-ce que Salomon a là qui n'a pas tourné dans Zolala? Est-ce que Salomon a pu dormir dans des lits comme le mien? Est-ce que la maison de Salomon avait le double vitrage comme ma maison? Vous voyez la différence? Jésus est venu nous donner maintenant ce que Salomon n'avait pas. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui. Je dis, quelqu'un sera visité par l'Éternel. Prépare bien ta maison. Alléluia. Dieu va venir dans ta maison. Alléluia. Dieu va venir dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Les moments critiques. Oh, espoir est assouté. Où il n'y a plus d'espoir. Personne ne peut nous aider. Hôpital mon côté quoi que porter les biseaux aide. Aucun hôpital ne peut nous apporter médecin de l'aide. Mon côté à quoi que tirer attention pour y avoir situation na yo. Aucun médecin ne peut prêter attention pour comprendre ta situation. Oh avocat mon côté à quoi que y a consunga. Et même aucun avocat ne peut t'aider. La situation que tu traverses. Dans la situation que tu traverses. Les cauchemars que tu as jour et nuit. La souffrance que tu traverses. Les souffrances que tu traverses. Qui peut t'aider? Alléluia. Alléluia. Dieu va se déplacer et venir dans ta direction. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dans ta direction. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jésus. Élevons légèrement nos mains. Bon Dieu, l'amour. Prie, Seigneur. Me voici. Disponible. Je suis disponible. Viens chez moi. Viens chez moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te permets d'entrer dans ma maison. Je te permets d'entrer dans ma famille. Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus. Viens, Seigneur. Pitié de moi. Fils de David. Kole kangate. Ne me passe pas. Na weekend, ce week-end. Monanga. Localise-moi.
La miséricorde. La miséricorde. Dans ma douleur. Localise-moi. Saint-Esprit. Localise-moi. La situation que je traverse. Localise-moi. Cette maladie. Localise-moi. Problème. Ce problème. Localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Par ton radar. Jésus. Oh Jésus. 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 L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de David. Fils de David. Pitié. 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 Sauve-moi. Sauve-moi. Thank you. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Jesus. Alléluia. Merci. Merci, prenez place. Jésus est avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, maman. Amen. 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 Yokangae. Écoute-moi. Ça, c'est la maison de miséricorde. Ici, c'est la maison de miséricorde. Ne t'inquiète. Ne t'inquiète. Amen. Il t'a entendu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Élie se leva. Élie donc se leva. Abandi koken na direction ya Sarepta. Il a commencé à aller vers Sarepta. Azokende luka mutu. Il est allé chercher quelqu'un. O nzamba lobi na ye. Donc Dieu lui a dit. Tu vas rencontrer une femme veuve. Responsabilité à nourrir. Et je lui ai confié la responsabilité de te nourrir. Ok? Parce que nous avons lobby, aucun négocié était à lobby, n'a ordonné la veuve. Parce que Dieu lui a dit, tu ne vas pas les négocier, mais j'ai ordonné donc, à la veuve. Donc, elles allaient droit. Et comment on dit? Donc c'est une obligation. Obligation. C'est une obligation. Donc, là, comme, donc quand tu arrives, allez, qu'elle le veuille ou pas, il faut avoir le nourrir, elle doit commencer à te nourrir là. Mais quand il arrive là, la ville, il arrive dans cette ville, à Kouti, il trouve. Oh my God. Merci. À combien la ville, Oana? Il arrive dans la ville, il trouve cette femme-là en train de ramasser du bois pour aller préparer quelque chose. Élie lui dit, madame, peux-tu me donner de l'eau à boire? Oui, merci. Oui, merci. Elle entre pour aller chercher de l'eau. Arrivé là pour entrer, il dit encore, madame, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas seulement de l'eau. Moi, t'as gâteau, moi, on allait après. N'allez pas moi, même un petit gâteau pour manger et ensuite boire de l'eau. Quand il a demandé de l'eau, la femme n'avait pas répondu. Elle a juste dit ok. Mais quand il fallait maintenant le gâteau, la femme se retourna et dit, l'Éternel est vivant. Il dit l'Éternel est vivant. Sarepta n'appartenait pas à Israël. Attention, attention, nous, enfants de Dieu, ceux que nous considérons comme des païens, parfois c'est des enfants de Dieu. Alléluia. Elle était en dehors de Israël. L'homme de Dieu est païen. Moi, je suis soit disant en termes d'aujourd'hui, païenne. Mais Dieu envoya l'homme de Dieu vers une femme qu'on peut qualifier aujourd'hui de païenne. Amen. Amen. Et cette femme, Alobi, lui dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Donc elle était païenne, mais elle n'a pas dit l'Éternel. Donc elle était païenne, mais elle connaissait l'Éternel. Mais l'Éternel est vivant. Et elle dit, l'Éternel est vivant. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Nazana moi farine mouké. Je n'ai que peu de farine. Na peau nangaye. Dans mon pot. Nazana l'huile lui a mouké. Et je n'ai que peu d'huile dans ma cruche. Nazana kotaba konyo mi balé dans le cruche. Je ramasse ces deux morceaux de bois. Pour aller faire quelque chose.
C'est juste pour préparer quelque chose à manger, moi et mon fils. Après, nous allons manger et mourir. Je dis encore. Je répète. Je dis. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Pas ici. Pas ici. Que cela quitte ta bouche. Au nom de Jésus. Pas ici. Au nom de Jésus. Pas ici. Au nom de Jésus. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Alléluia. Nous sommes venus. Nous sommes venus rencontrer l'Éternel. Rencontrer le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Dieu vivant. Alléluia. Pas un esprit de mort. Alléluia. Nous refusons cela. Refusons l'esprit de mort. Là, je refuse. Si je refuse cela. Là, je refuse. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Il faut chasser cet esprit-là. Il faut chasser loin cet esprit. Des fois cet esprit-là. Parfois cet esprit-là. Il vient près pour de nous traverser des moments difficiles. Parce que nous traversons des moments difficiles. Parce que vous êtes malade. Parce que tu es malade. Parce que ma médecin a choqué. Parce que les médecins sont limités. Mais qui t'a dit que ton Dieu est juste à choquer? Mais qui t'a dit que ton Dieu aussi est limité? Ceux qui vont nous choquer. Si eux ils sont limités. Pas ils vont nous choquer. Là où ils sont. Et pas ils vont choquer. Et là où toi aussi tu es limité. Ton Dieu va commencer par là. Ton Dieu va commencer par là. Dans ton pot. Dieu veut commencer par là. Dans ta cruche. Dieu veut commencer par là. Dans ta vie. Dieu veut commencer par là. Dieu veut commencer là. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ici qui voyait déjà le désespoir. Jésus veut te donner la vie. Il veut te donner la vie. Écoutez, quand il est arrivé là, il a demandé de l'eau. Il a dit, apporte-moi aussi un petit gâteau. Amen. Et elle dit, il n'y en a pas. Ce que j'ai là, c'est juste pour mon fils et pour moi-même. L'homme de Dieu lui dit. Et l'homme de Dieu lui dit, prépare d'abord pour moi. Il avait vraiment faim. Il a parcouru une grande distance. Il a marché à pied. Il dit, prépare d'abord pour moi. Après. Et ensuite, Ogosana, tu vas préparer pour toi et pour ton fils. Car. Alléluia. 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 Amen, papa. Car. Car. Je t'avais déjà dit que ce car-là cache beaucoup de choses. Amen. Amen. D'abord, donne-moi à manger. Il y a des moments critiques. Il y a des moments critiques. Dans les vies des enfants de Dieu. Mais Dieu nous connaît. Il connaît les situations que nous traversons. Il connaît chacun parmi nous. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu a vu la souffrance qu'il y avait dans cette femme. Mais écoute, Dieu qui a dit son serviteur, moi j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. De te nourrir. Mais en arrivant là, mais quand il arrive là, la femme, comme si elle n'était pas au courant. Parce que si elle était au courant, elle allait discuter avec Dieu. Mais comment je vais le nourrir? Deuxièmement, quand l'homme de Dieu lui parlait, écoute, mais tout ce que j'ai là, c'est pour moi et mon fils. Et l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu ne lui a pas dit que Dieu m'avait dit que c'est toi qui allais me nourrir. Non. Mais Dieu avait dit à l'homme de Dieu,
Aidez-la à vomir cet esprit-là. Va vite avec quelque chose. Amen. Amen. Alors, Chikoyo, alors maintenant, Zambé, Dieu a causé. Est-ce qu'il a menti? Toi, le vivre. Ou il avait dit vrai. Amen. Amen. Quelqu'un sera libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un sera libéré. Au nom de Jésus. Quelqu'un sera au libéré. Au nom de Jésus. Quelqu'un sera libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Situation est critique. Ta situation est critique. Mais Dieu la connaît. Amen. A fait déplacer. Dieu a fait déplacer son royaume. Son royaume. De loin. De loin. Pour se diriger vers toi. Pour se diriger vers toi. Alléluia. Alléluia. Je suis. Je suis. Celui qui porte la parole de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu. Amen. Je suis le porte-parole de Dieu. A fait déplacer royaume naïe. Il a fait déplacer tout son royaume. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est pour te donner la réponse. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut te localiser. Amen. Amen. Localiser ton problème. Il veut localiser aussi ton problème. Alléluia. Amen. Et si quand il y a vendu, peu importe là où tu es. Peu importe tout ce qui se passe dans ta vie. Pour toi. Pour tes enfants. Pour ta famille. Dieu vient au secours. Il vient au secours. Il vient à ton secours. Alléluia. Dieu vient. Amen. Amen. Tala likambou. Considérez ceci. Na ordonné moi son ali sa yo. J'ai ordonné à cette femme là de te nourrir. Mais moi si on va y habiter. Mais la femme n'était même pas au courant. N'épargne moi si on a. Dans l'épargne de cette femme là. Un kilo de farine de zan. Juste un kilo de farine. Na moi l'huile à mouquet. Et juste un peu d'huile. Eli alobi. Et Élie lui dit, alléluia, amen. Car l'Éternel a dit, nandaku na yo, dans ta maison, farine ekosi la soute. La farine ne manquera plus. L'huile ekosi la soute. Et l'huile ne diminuera plus. Oh, alléluia. Jésus, merci. 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 C'est la situation où veuve a traversé. Regardez la situation que cette veuve-là a traversée. Namouananaye orphelin. Et son fils qui était orphelin. Nzamba moni ba situation où yobanane ba zo traversé. Dieu a vu les situations que ses enfants traversent. Dans la situation bâton ensemble bazo traverse. Considérez les situations que les hommes de Dieu traversent. Un grand homme de Dieu comme Élie. Un grand homme de Dieu comme Élie. C'est ça l'étude de Élie. Si on fait l'étude sur sa vie. Oui, bien quand Jésus allait couper la montagne, il allait prier Moïse na Élie. Savez-vous que Jésus à la montagne avant de mourir, il y a Élie et Moïse qui sont apparus là. Dans la dimension Zambacha Élie. Considérez la dimension où Dieu a placé Élie. Alléluia. 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 Mais tala mutuana. Mais un tel homme azoku fantala qui était en train de mourir de faim. Amen. Amen. Il faut qu'il soit comme un mendiant. Il devait aller comme un mendiant. Et pas il y a veuve auprès d'une veuve, un orphelin et d'un orphelin. J'aimerais te dire, il y a une grâce, alléluia, qui est sur nous, alléluia, les enfants de Dieu, alléluia, les peuples de Dieu, alléluia.
Nous avons cette grâce. Amen. Amen. Nous avons cette grâce là. Un jour, alors que je suis en train de parler comme ça et que tu m'entends, Dieu est en train d'opérer des choses en toi. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.